Bueno, vamos a comenzar. Llevamos un tiempo de retraso y vamos a ver si podemos ir cumpliendo con el horario. Soy Andoni García, soy miembro de la ejecutiva de COAG, organización también coorganizadora de este encuentro. Bien, os voy a presentar en esta parte los intervinientes. Posteriormente tendremos un debate y por orden de intervención os presento a Julián Milanesi. Él es doctor en ciencias económicas, investigador asociado a la Universidad de Pau en Francia, autor de varios informes sobre los sobrecostes asociados al cultivo de OMGs o la disponibilidad de semillas de soja no transgénica en los países con alta superficie de soja modificada genéticamente. Él nos va a hablar de los análisis de los costes inducidos en los sectores agrarios por el cultivo de organismos modificados genéticamente. A continuación, nos va a hablar Rosa Binemelis. Ella es investigadora del Centro de Recerca en Economía y Desenvolvement Agroalimentari. Lo siento, pero lo intento hacer en catalán. ¿Eh? Lo intento hacer en catalán, entonces, bueno, creo que por el tal cual lo tengo aquí escrito y seguramente tendremos que, por una parte, pedir excusas porque no está hecho correctamente y, segundo, ir aprendiendo catalán que como idioma de todos nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, pues repito, investigadora del Centro de Recerca en Economía y Desenvolvement Agroalimentari de la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro del SER. Y además también ella es compañera de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Ella ha estado y está trabajando en esta alianza importante por lo que significa el impulso en todo el Estado español de la soberanía alimentaria. Y a continuación tenemos a Antonio Ruiz, compañero de la UAGA de Aragón, de la COAG, agricultor ecológico y biodinámico desde hace 20 años. Él es presidente, y lo tenemos que decir porque tiene que ver con toda su actividad sobre la lucha contra los OGMs. Es presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Él y todo el equipo que había en el Consejo Regulador dimitió a consecuencia de diferencias profundas que había con el Gobierno de Aragón referido a cómo entiende el Gobierno de Aragón los transgénicos y cómo se desentiende de los impactos que tienen sobre la agricultura ecológica, ¿no? Y en ese sentido, Antonio ha estado luchando y está luchando frente a todos estos impactos y en ese sentido ha sufrido también lo que significa un gobierno pro-transgénico. Ya para darle la palabra ya directamente a Julián Milanesi, y cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. Y pues me llamo Julián Milanesi, soy economista en la Universidad de Pau, en Francia. Y voy a hablar de transgénicos y de pollo. Y voy a hacerlo, lo siento mucho, y realmente en francés. Ya. Donc,
Je vais vous parler d'une étude qui cherchait à évaluer les surcoûts que subissaient, que pourraient subir les producteurs de poulets label rouge. Je vais vous expliquer ce que c'est que le poulet label rouge tout à l'heure. Producteurs de poulets label rouge français qui ont fait le choix de donner une alimentation exclusivement sans OGM à leurs animaux. Donc, cette étude a été réalisée entre le mois de janvier et le mois d'août 2008, donc elle a maintenant 3 ans, donc il y aura quelques données peut-être à actualiser, peut-être dans les questions, des questions qui porteront, et qui s'est inscrite dans un contexte particulier en France, un contexte de débat très important, qui était celui de l'activation de la clause de sauvegarde concernant le maïs Mont-810. En effet, 22 000 hectares de maïs Mont-810 étaient produits encore en 2007 en France, et à partir de l'activation de ce clause de sauvegarde, il n'y a plus eu de maïs Mont-810 cultivé. Donc, et l'avis a été publié en fin d'année 2007, début d'année 2008. Donc l'étude a été entamée à ce moment-là, donc dans un contexte de débat très important, qui s'accompagnait également de préoccupations économiques, et notamment d'un avis de la Haute Autorité sur les OGM, qui est une instance qui est publique, qui a émis un avis, parmi d'autres, concernant le manque d'études économiques sur les conséquences des organismes génétiquement modifiés, et particulièrement des études économiques sur les filières animales qui avaient fait le choix d'une alimentation sans OGM. C'est dans ce contexte donc, que l'association Greenpeace France a fait appel à notre laboratoire de recherche, qui est le centre de recherche en gestion de l'Université de Pau, pour réaliser une étude sur donc, les surcoûts qui sont générés sur une filière particulière, qui est la filière poulet label rouge, et qui sont donc surcoûts qui sont générés sur cette filière par l'intermédiaire des approvisionnements en maïs et en soja. Alors pourquoi la filière poulet, et plus particulièrement poulet label rouge? Alors le label rouge est un label de qualité, donc, je ne sais pas s'il existe ailleurs qu'en France, en tout cas qui a un cahier des charges particulier, notamment sur le poulet, qui signifie que les poulets doivent notamment grandir plus de à peu près 3 mois, alors qu'un poulet standard c'est simplement un mois et demi. Il y a des conditions de production d'espace notamment dans lequel ils grandissent qui sont plus larges que sur les poulets standards. Toute une question de toute une série comme ça de qui constitue un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il n'y a pas de considération sur les OGM, c'est-à-dire qu'on peut produire du poulet de qualité label rouge avec ou sans OGM, et certains producteurs français ont fait le choix de produire sans OGM. Pourquoi donc s'intéresser au poulet? D'abord parce que c'est une production emblématique en France, emblématique en termes de qualité, de gastronomie également, et puis en termes économiques. La France est le premier producteur de poulet en Europe, le cinquième au monde. Et la filière poulet en France est la première consommatrice de maïs et de soja. Les deux matières premières qui nous intéressaient, puisque une est déjà le soja, on va le voir, en grande partie génétiquement modifié, les approvisionnements le sont. Et le maïs en France, les approvisionnements ne posent pas de problème. Donc on a des filières poulet label rouge et qui sont déjà confrontées aujourd'hui à des surcoûts, on va le voir ici en détail, lié à leur approvisionnement en soja non OGM en provenance du Brésil, plus particulièrement de l'État du Paraná, et qui pourrait, donc là il y a un travail de prospective que nous avons fait dans l'étude, qui pourrait être confronté à des surcoûts liés à des approvisionnements en maïs non OGM si le maïs OGM était cultivé en France en grande quantité, ce qui, une fois de plus, n'est plus le cas depuis 2007. Alors pour procéder à cette étude, nous avons réalisé des entretiens avec différents acteurs de la filière, ce qu'on appelle des acteurs clés, aux différents points de la filière, filière soja, filière maïs, filière poulet. Nous avons aussi utilisé des questionnaires un peu plus larges. Et puis, bien sûr, nous avons utilisé la littérature existante sur le sujet. Littérature qui, notamment, portait sur les questions de coexistence. Coexistence sur la question du maïs, particulièrement, je vais prendre un peu d'eau, je crois que c'est mon verre. Nous sommes un laboratoire de recherche où il y a des gestionnaires et des économistes,
Et nous n'avions pas ni les compétences, ni le temps, ni l'argent, et ni le besoin d'ailleurs, de produire des études supplémentaires sur les questions de coexistence. Pour le maïs, coexistence étant l'idée de voir comment peuvent coexister des champs de maïs OGM à côté de champs de maïs non OGM. Est-ce que des contaminations se réalisent? S'il y a des contaminations, dans quelle proportion elles se font? Donc, pour avoir des études là-dessus, nous avons utilisé en fait, les travaux de référence sur le sujet qui ont été réalisés depuis une dizaine d'années. Il y a des travaux qui sont conduits depuis une dizaine d'années, notamment par l'INRA, qui est l'Institut de recherche agronomique en France. Dans le cadre d'un programme, c'est des acronymes un peu barbares, dans le cadre d'un programme qui s'appelait SIGMEA, et qui ont donné lieu à deux rapports qui font référence sur le sujet, sur la coexistence aujourd'hui en Europe, qui sont les rapports produits par le JRC, le Joint Research Center, qui est un centre de recherche de la Commission européenne. Ce qui est intéressant sur ces études-là, à réutiliser, que nous avons réutilisées, c'est qu'elles font un peu autorité sur le sujet, et donc, nous n'avions pas de données à reproduire là-dessus. Et le résultat essentiel, ceux que nous avons retenus pour la continuité de l'étude, ils sont doubles. Le premier, c'est que ces travaux, qui sont basés notamment sur des modélisations, montrent qu'un seuil de 0,1%, ce qu'on va appeler le zéro technique, ou 0,01%, n'est pas atteignable lorsqu'il y a du maïs OGM planté dans une zone. Ce qui veut dire que concrètement, que quand il y a du maïs OGM planté dans une zone, on va retrouver forcément des traces, à des pourcentages différents, dans les maïs non OGM. Donc ça, les résultats sont très clairs là-dessus. Donc, ce qui peut permettre de conclure que la coexistence n'est pas possible. Mais par ailleurs, vous avez peut-être vu parfois des travaux, des articles, des choses comme ça, qui concluent que la coexistence est possible. Bah, tout est question, en fait, du seuil qu'on fixe, puisque voilà, ces travaux montrent également que le seuil de 0,9%, qui est ce qu'on va appeler le seuil d'étiquetage, c'est-à-dire que c'est à partir de ce seuil qu'on doit étiqueter un produit comme OGM, c'est-à-dire quand il y a plus de 0,9% de maïs dans une récolte de maïs, on doit l'étiqueter comme OGM. Donc ce seuil d'étiquetage, par contre, ces travaux montrent qu'on peut le respecter quand il y a des champs de maïs OGM dans des zones de culture de maïs non OGM. On peut le respecter avec un certain nombre de contraintes techniques, dont nous verrons le détail tout à l'heure, qui, évidemment, sont coûteuses. Alors, les coûts sont partagés différemment selon le cadre réglementaire, selon que les producteurs d'OGM sont obligés ou pas de mettre en place des contraintes. Mais une partie, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, une partie est toujours portée par les producteurs non OGM. Et donc il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus également, sur ces coûts, alors qui sont très difficiles à évaluer parce que ça va dépendre des caractéristiques des fermes, de la taille des parcelles, de la situation géographique des parcelles les unes par rapport aux autres, de la façon dont les agriculteurs possèdent ou partagent leurs équipements, parce qu'il y a aussi beaucoup de contaminations qui se font par les équipements. On parle surtout de flux de pollen, mais par l'intermédiaire de tous les équipements partagés, il y a d'importants risques de contamination. Donc, selon les caractéristiques, on arrive à une fourchette assez large d'un coût qui serait de 5 à 37 euros la tonne. Alors, finalement, on peut dire que savoir si c'est 5 ou 37 euros n'est pas très très important. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces résultats-là, qu'est-ce qu'on peut en dire économiquement de façon un petit peu plus générale. La première conclusion qui finalement suit le premier résultat que je vous ai donné, c'est que vu qu'on va retrouver systématiquement des traces d'OGM dans les zones où il y a du maïs OGM planté, ça veut dire que les cultures qui sont fondées sur l'absence d'OGM, c'est-à-dire qui ont dans leur cahier des charges l'absence stricte d'OGM, maïs bio par exemple, ou maïs doux. La France est un producteur important également de maïs doux, donc maïs doux qu'on consomme, que les hommes consomment. Elles ont des cahiers des charges très stricts, et ça signifie que ces cultures ne pourront pas exister dans des endroits où il y a du maïs OGM. Ce qui faisait dire à plusieurs producteurs qu'on a rencontrés de maïs doux que si les OGM devaient être légalisés et répandus en France, ils délocaliseraient certainement leur production. C'est déjà le cas en partie au Sénégal, au Maroc ou en Hongrie.
et qu'ils en délocaliseraient le reste de ce qui reste en France. Ils ne veulent pas prendre le risque, en fait, d'un scandale sur le sujet qui noircirait, en fait, la qualité de leurs produits. Donc, ils préféreraient délocaliser leur production. Donc, ça, c'est pour les filières de production désirant produire sans OGM strictement. Ensuite, il y a celles qui vont se contenter de ne pas utiliser un maïs OGM, c'est-à-dire qu'ils vont demander un maïs qui ne sera pas étiqueté OGM, c'est-à-dire dont le seuil sera en dessous de 0,9%. Alors, il existe beaucoup aujourd'hui de filières qui existent simultanément, filières OGM et non OGM, que ce soit du maïs, que ce soit du soja, on va le voir tout à l'heure, que ce soit du colza, dans différents pays. Et ce qu'on observe systématiquement, c'est qu'il y a une segmentation de ces filières. Segmentation, ça veut dire qu'on va avoir deux filières qui vont se créer parallèlement, une filière OGM et une filière non OGM. Et le prix de la matière première non OGM sera plus élevé, compte tenu, et systématiquement plus élevé, compte tenu des contraintes en fait, que la production d'OGM fait peser sur les producteurs non OGM. En gros, il faut que ces producteurs-là puissent être compensés des efforts qu'ils font faire pour justement ne pas être contaminés. Il faut qu'ils puissent être compensés, qu'ils aient une récompense en fait à l'effort qu'ils font. Et cette récompense se traduit par un montant plus élevé de la matière première non OGM par rapport à la matière première OGM. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ces surcoûts de 5 à 37 euros, finalement, on va les retrouver dans cette segmentation et qui va dépendre des situations du marché, des surcoûts qui subiront au début. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que vraiment, on aura nécessairement une segmentation avec deux prix différents et donc un surcoût pour ceux qui achèteront du maïs, en l'occurrence ici, non OGM. Alors, c'est ce qu'on observe, par exemple, sur le soja. Et là, on commence à rentrer dans les détails de l'étude sur le poulet. Sur le soja, on a l'expérience, là, le graphique s'arrête en février 2009, mais on a l'expérience en fait d'une filière qu'on appelait une filière de soja tracée, puisqu'il n'est pas sans OGM, puisqu'on retrouve toujours à l'intérieur en dessous généralement d'un seuil de 0,5% un petit peu de soja OGM. Donc ce soja vient de l'état du Paraná au Brésil, qui est une des dernières grandes zones de production de soja non OGM. Et les producteurs français, donc de poulet, mais il n'y a pas qu'on a pris l'exemple du poulet parce qu'il est emblématique, mais il y a aussi des éleveurs de porc, il y a des aquacultures, il y a des producteurs de lait qui s'alimentent également sur cette filière. Tous ces producteurs de animaliers payent un surcoût. Donc en bleu ici, vous avez le prix du soja OGM. Et les petites barres en dessous, là, c'est la prime que doivent payer par rapport à ce coût initial les producteurs qui voudraient s'approvisionner en soja non OGM. Donc, ils payent ce qu'ils appellent la prime non OGM, qui donc varie selon les moments, les périodes de l'année, la situation du marché. Il y a toute une série de facteurs qui vont influencer cette prime, qui, en temps normal, ces dernières années, vous voyez, on a eu une pointe à 80 euros qui, du coup, a été très compliquée pour les producteurs qui s'approvisionnent sur ces marchés-là. Mais autrement, on est plutôt sur une moyenne de 30-40 euros, en tout cas, à ce moment-là. Donc, ce qui m'amène à vous présenter l'intégralité de la filière poulet et à détailler les différents éléments de cette filière. Alors, ici, on a cette filière soja. C'est-à-dire ici, c'est une carte de l'état du Paraná, avec donc des voies de chemin de fer qui amènent, voilà, on a les productions ici de soja non OGM, ici, qui amènent le soja jusqu'au port. Le soja non OGM prend le bateau, donc tout ça veut dire que ici on a du soja non OGM qui a une ségrégation de la filière, hein, c'est-à-dire qu'on a à côté de la production de soja OGM, donc tout ça demande des efforts de ségrégation du champ jusqu'au bateau, c'est-à-dire qu'il faut des installations en double, ça demande énormément d'équipement, et donc jusqu'au bateau qui va amener son soja dans un port français où ici on a un schéma qui représente une usine de fabrication d'aliments pour les poulets. Ici, on a la filière maïs avec un sac de semences qu'on plante, qui donne du maïs en culture, qu'on ramasse et qu'on stocke, un silo. Et ce maïs est acheté également par le fabricant d'aliments pour poulets qui utilise quasi essentiellement du soja et du maïs ou du soja et des céréales pour le poulet. 95% de l'alimentation est composée de céréales et de soja.
Ici, on a la filière de poulets, fabricants d'aliments, l'éleveur, ici c'est des poulets landais, dans la forêt landaise, qui, donc les éleveurs achètent l'aliment aux fabricants d'aliments, ces éleveurs vendent ensuite leurs poulets, une fois qu'ils sont grands, à des abattoirs, et les abattoirs les vendent à la grande distribution. Donc en fait, ici, on a une filière relativement intégrée. Alors ça dépend des organismes de production. Nous avons rencontré 3 organismes de production de poulets label rouge, donc on est sur ce poulet de qualité. Pour vous donner une idée, la production de poulets label rouge représente 16% en France de la production totale de poulets. Donc nous avons interrogé et travaillé avec 3 organismes de production. C'est un marché assez concentré, donc ces 3 organismes représentent à eux seuls 40% de la production de poulets label rouge française, ce qui veut dire 2000 éleveurs et 30 millions de têtes de poulets annuelles. Donc notre enquête porte sur cet échantillon-là. Et alors selon les organismes de production, on a des filières qui sont intégrées différemment, mais généralement, en fait, ici on a plutôt des entreprises agroalimentaires et là des coopératives agricoles, mais qui ont passé des accords entre elles, ont créé des sociétés entre elles. Et finalement, on a une relative bonne intégration de toute la filière, du maïs jusqu'à l'abattoir, qui permet, on va le voir, un report de surcoût jusqu'à la sortie d'abattoir, le problème étant ici. Évidemment, le soja, lui, est acheté à l'externe, ici. Donc, voilà pour la filière. On va voir maintenant, je vais détailler tout le long de cette filière, les surcoûts qui sont générés aussi bien sur la filière de maïs que sur la filière soja pour arriver à un surcoût global sur le poulet sans OGM ici. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous lisez, de toute façon c'est du français, donc je vais le lire. Ici j'ai listé tous les surcoûts sur les productions végétales. Alors sur les semences, il va y avoir les semences, on peut avoir potentiellement dans un paquet de semences du maïs OGM dans la semence même. Donc il va falloir faire un test sur les semences. Ce qui a un coût, évidemment. Ensuite, il faut le semer, ce maïs. Donc, il va falloir utiliser un semoir qu'on va potentiellement partager. S'il y a des producteurs OGM à côté, on va peut-être partager par l'intermédiaire de coopératives de partage de matériel agricole ou de sociétés qui louent ce matériel. On va peut-être partager ce semoir avec des producteurs d'OGM qui auront laissé à l'intérieur des semences d'OGM. Donc, ces semoirs, il va falloir les nettoyer. Ou alors, créer une autre filière de semoirs, ou alors carrément acheter son propre semoir pour éviter les mélanges, ce qui génère des coûts. Une fois que ce maïs est planté et semé, il pousse, et là on a toutes les questions de pollinisation, et donc il va falloir qu'on mette en place des solutions pour éviter au maximum les contaminations par le pollen. Donc là on peut mettre des barrières polliniques qui consistent en des rangs de maïs plantés en bordure qui sont censés prendre l'essentiel des pollinisations. Le plus évident, c'est évidemment des distances d'isolement, c'est-à-dire planter le plus loin possible les champs de maïs non OGM, les planter le plus loin possible du maïs OGM. On peut aussi avoir des mesures de floraison décalée qui sont plus compliquées à mettre en œuvre. Une fois ce maïs planté, il va falloir le ramasser. Donc là, une belle moissonneuse batteuse. Il va falloir le ramasser. On a le même problème pour le matériel, c'est-à-dire qu'il faut éventuellement le nettoyer ou alors utiliser 2 filières différentes ou en acheter une particulière. Donc on retrouve les mêmes coûts, les mêmes problèmes. Et puis une fois ce maïs ramassé, il va falloir le transporter, donc même problème pour les équipements. Et une fois transporté, il faut le sécher, le maïs ça se sèche, et il faut le stocker. Et là pareil, on a des problèmes d'équipement qu'il faut partager, nettoyer et qui génèrent des surcoûts. Donc on a, comme je vous disais, tout à l'heure, les 5 à 37 euros, ils s'arrêtent ici. Il faudrait rajouter en fait des coûts de nettoyage, des coûts sur les équipements partagés. On a fait en fait plusieurs simulations avec différents scénarios. Et là, le scénario que je vous propose, c'est un surcoût en fin de filière maïs de 10 euros par tonne. D'accord ? On a fait des simulations plus importantes. C'est pas très élevé finalement. Quand on considère que le maïs était à peu près à cette période-là, il est toujours autour de 200 euros la tonne, ça fait un surcoût de 5%. C'est pas gigantesque. On peut imaginer quelque chose de beaucoup plus important. Sur le soja, mais c'est la prime moyenne qu'on a aujourd'hui qui est d'environ 30 euros par tonne. Donc on a pris ce scénario, et c'est ce scénario que je vais vous détailler ici, pour voir de combien se traduisent ces surcoûts en sortie
de ces surcoûts en approvisionnement, combien ils se traduisent à la fin pour le consommateur. Surcoûts, donc, je répète, pour garantir du poulet nourri sans OGM. Donc, pour ça, pour voir comment les coûts se répartissent, on va utiliser ce qu'on appelle des coefficients techniques. Alors, qui sont ici les moyennes des coefficients que nous ont donné les différents organismes de production qu'on a consultés. Ce sont des secrets industriels. Donc c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs les entreprises qui, avec qui on a travaillé ont souhaité rester anonymes. Et donc on en a fait des moyennes. On en a fait des moyennes. Donc le premier coefficient technique, la première formule en fait, ça va être la formule de l'aliment. C'est-à-dire que selon les organismes de production, ils utilisent plus ou moins de céréales ou plus ou moins de soja ou dans des proportions un peu différentes. On a utilisé une formule ici, donc moyenne, de 15% de soja et 80% de maïs. Alors le maïs peut être remplacé par le blé également. Dans l'ouest, centre-ouest de la France, ils utilisent plutôt le blé. Dans le sud-ouest de la France, c'est les deux grandes zones productrices de poulet label rouge en France. On est plutôt sur intégralement du maïs. Bon, on a fait ici donc une simulation avec 80% de maïs. Donc, si on prend 80% de maïs dans une tonne d'aliments pour les poulets, ça veut dire que ces 10 euros, ces surcoûts de 10 euros la tonne de maïs en arrivant dans l'usine vont se transformer en sortie d'usine à 8 euros la tonne pour le maïs. Et puis pour le soja, ça va être 30 euros fois 15%, ça va être 4,5 euros la tonne. D'accord ? Ce qui veut dire que quand le fabricant d'aliments vend son aliment aux éleveurs, ces surcoûts de 40 euros la tonne, de 10 euros la tonne pour le maïs et 30 euros la tonne pour le soja se traduisent par 12,5 euros la tonne en sortie de son usine. Donc il va faire payer, lui, à l'éleveur, supplémentaire, il dit à l'éleveur, moi je vous garantis une alimentation pour vos poulets sans OGM, par contre moi je paye plus cher les matières premières, donc vous allez payer plus cher l'aliment, et ce surcoût il est de donc 12,5 euros la tonne. L'éleveur, lui, il va donner l'aliment à ses poulets, et là, on a un autre coefficient technique qui s'appelle un indice de conversion. Cet indice de conversion, il indique combien de kilos d'aliments il faut pour produire un kilo de poulet. Donc ça, c'est des choses, c'est un peu, c'est étonnant, qui sont extrêmement normées. On sait que pour un poulet label rouge, il faut 3,2 kilos d'aliments pour produire un kilo de poulet label rouge. Pour un poulet standard, il faut 2 kilos, 1,9 2 kilos. Là, on est sur 3,2 kg. Donc, on sait très bien, en sortie, ici, que ces 8 euros la tonne sur l'aliment, pour le maïs, ils vont se traduire à 8 euros fois 3,2, 25,6 euros la tonne de poulet. Alors, je suis désolé, on parle de tonne de poulet. On va ramener ça en kilos tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour le maïs. Idem, on multiplie par 3,2 ici. On a le surcoût pour le soja. Et on arrive à une dernière étape ici, qui est le rendement d'abattage. L'éleveur vend son poulet à des abattoirs qui, eux, vont abattre les poulets, les vider, etc., pour les distribuer, les commercialiser. Et eux, ils ont ce qu'on appelle un rendement d'abattage, c'est-à-dire c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on ne mange pas, les viscères, les plumes, etc. Et donc, on considère en principe qu'il reste 70%. En tout cas, en moyenne, sur les différents éleveurs, c'est 70%. Donc, ici, il faut diviser par 0,7 ce qu'on a ici. Donc on arrive, pour le maïs, à un surcoût de 36,57 euros la tonne, et pour le soja, de 20,57 euros la tonne, ce qui nous parle davantage en centimes par kilo, se traduit à 3,6 centimes par kilo et 2 centimes par kilo, donc à peu près 5,6 centimes par kilo de poulet en sortie d'abattoir. Si on va jusqu'au bout, en rayon, alors là, le passage est beaucoup plus difficile entre l'abattoir et la grande surface, que vous le savez certainement, les pratiques commerciales d'achat et d'achat des grandes surfaces sont à la fois très opaques et très compliquées à comprendre. Donc on a repris des estimations qui avaient été faites par ailleurs, qui sont donc de l'ordre de 5 centimes et de 2,6 centimes. Mais finalement, ce n'est pas ça l'intéressant, ce n'est pas ça l'important. Puisque là, on voit finalement qu'on a 7 centimes, un kilo de poulet label rouge en sortie d'abattoir, c'est environ 5 euros. À cette époque-là, c'était environ 5 euros. Donc on voit ici, avec 5 centimes, qu'on a un surcoût qui est d'environ 1%. On dit, c'est pas très grave, 1%, c'est pas un problème. Pour le consommateur, en tout cas. Avec l'idée que, jusqu'ici, le consommateur donc, va payer son surcoût. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Il est qu'ici, il y a une grosse difficulté pour passer de l'abattoir à la grande surface.
Il y a une grosse difficulté qui est due au fait que, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est peut-être en train de changer en France, les producteurs de poulet, donc qui avaient fait tous ces efforts là tout le long, n'avaient pas le droit de mettre une étiquette, comme on voit ici, là, mettre une étiquette sur leur poulet en marquant que leur poulet avait été alimenté sans OGM. Ils n'avaient pas le droit de le marquer parce que ce n'était pas vrai, puisque ici, je vous ai dit, il y a un petit peu d'OGM dans le soja, quelques traces, des traces, et ici, éventuellement, s'il y a de l'OGM qui est planté en France, il y en aura aussi. Donc, ils font néanmoins des efforts, mais à la fin, ils ne peuvent pas étiqueter, ils ne peuvent pas marquer « on a donné de l'aliment sans OGM à nos poulets ». Et donc, finalement, ils ne peuvent pas valoriser tous les efforts de la filière, ici. Et ce que disent les grandes surfaces, elles disent « vous êtes gentils avec votre poulet, vous nous dites qu'ils ont mangé que des aliments sans OGM, mais nous, on ne peut pas le dire aux consommateurs, donc on ne peut pas justifier aux consommateurs un surcoût de 7 centimes ou 8 centimes ou 10 centimes dans les rayons, si on ne lui dit pas pourquoi. Donc si on ne peut pas lui dire pourquoi, nous, on ne vous l'achète pas plus cher, votre poulet en sortie d'abattoir. » Et c'est là que ça pose un problème. C'est-à-dire que si les grandes surfaces n'achètent pas le poulet plus cher, simplement ces 5-6 centimes en sortie d'abattoir, les abattoirs, eux, ils ne peuvent pas acheter plus cher aux éleveurs. Et les éleveurs, ils ne peuvent pas acheter plus cher aux fabricants d'aliments. Et les fabricants d'aliments, ils ne peuvent pas payer plus cher le maïs au producteur de maïs, ni le soja au producteur de maïs sans OGM. Ça veut dire que si on n'a pas un report de coûts ici, ces filières-là ne peuvent pas exister. C'est-à-dire que tous les efforts qui sont faits là, finalement, ne sont pas payés à la fin. Et on est dans une situation, en fait, ici, c'est ce qui existe aujourd'hui. En temps normal, 2 centimes. En France. C'est-à-dire qu'on a un surcoût de 2 centimes. Et ce que nous expliquaient certains producteurs de poulet, c'est que dans les périodes où ces 30 euros la tonne là, a été montée à 80 euros la tonne, en fait, ils avaient donc ici un surcoût qui était bien supérieur, qui était de l'ordre de 5-6 centimes. Ils ne pouvaient pas le reporter. Donc, les grandes surfaces que je vous disais ne voulaient pas acheter le poulet. Sauf que eux ici, ils ont une marge de 2 à 3 centimes le kilo. Donc, s'ils ont un surcoût de 5-6 centimes et que par ailleurs, ils font sur le poulet normalement une marge de 2 à 3 centimes le kilo, ça veut dire qu'ils perdent 3 centimes par kilo de poulet produit et vendu. Donc, clairement, ils nous disaient, c'est à ce moment-là que ces producteurs se sont posé la question de savoir s'ils pouvaient continuer ou pas ces politiques-là. Quand ce passage à 80 euros est conjoncturel, dure sur un mois ou deux, c'est difficile, ils font avec et ça passe. Mais si on est sur une période qui dure plus longtemps et si surtout se rajoute le maïs, puisqu'on l'effet du maïs est beaucoup plus important, puisqu'on a 80% de maïs et pas 15%. Dans ce cas, clairement, ces 5-6 centimes, sans possibilité de report sur le bas de la filière, ils sont insupportables pour les filières, pour les filières sans OGM. Et c'est là, en fait, un des résultats importants de notre travail, qui montre que si, in fine, on ne peut pas valoriser tous les efforts qui sont faits sur la filière par un étiquetage auprès du consommateur, ces filières ne peuvent pas exister. Et finalement, c'est la production et les cultures même de maïs et de soja non OGM qui disparaissent. Donc là, voilà, il y avait des traits. Donc voilà les conclusions. Si, il y a 100 produits sans OGM étiquetés aujourd'hui chez Carrefour et chez d'autres comme ça. Voilà. Mais qui sont, voilà, des produits animaux. Qui sont des produits animaux. Alors voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire que le... Oui, pardon. En fait, il y a aujourd'hui... c'est-à-dire que ça, c'était il y a 2 ans. En fait, ce qui se passait, c'est que cet étiquetage, comme je vous disais, était interdit du fait des réglementations de la Direction générale des fraudes en France, qui interdisait, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, cet étiquetage. Il se trouve que depuis, des producteurs, notamment de poulets, les poulets de Loué, sont passés outre cette interdiction et ont commencé à communiquer sur, justement, leur alimentation sans OGM. Ils n'ont pas été sanctionnés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé après l'étude, en 2008, 2009, 2010. Donc on peut espérer que, modestement, cette étude aura servi un peu à ça, peut-être. Donc ils ont commencé à étiqueter. Il y a 400 produits Voilà, et aujourd'hui, 400 produits étiquetés légalement, mais que... Animaux ? Animaux. Animaux ? D'accord, je ne le savais pas.
Et il y a une tolérance en fait qui a été acceptée en fait par le gouvernement. Et aujourd'hui, un décret est en cours de rédaction et en cours d'application. Je ne sais pas si peut-être Arnaud, tu en sais un peu plus là-dessus, tu pourras en parler. Qui, d'après ce que j'ai compris, viserait à légaliser justement ces pratiques-là pour justement autoriser l'étiquetage. Puisque voilà, c'était le résultat de notre étude, donc. Et je vais conclure là-dessus. Si donc il y avait du développement de maïs OGM en France, mais sans étiquetage auprès des consommateurs, des produits animaliers, il faut bien comprendre que ces filières maïs, ces grandes cultures, elles servent essentiellement à alimenter des animaux. Et donc, si on n'étiquette pas, s'il n'est pas possible de faire la différence sur les productions animales, ces filières-là ne peuvent pas exister. Donc l'étiquetage est nécessaire. Et puis, quand même, c'est une question qu'il ne faut pas évacuer. Ça veut dire que c'est le consommateur, in fine, qui paye ce surcoût. Puisque l'étiquetage permet simplement de reporter le surcoût, de faire que ce ne sont pas les producteurs qui prennent en charge ce surcoût généré sur les filières non OGM, mais qui soit reporté jusqu'au consommateur. Et ça, ça pose une autre question qui est de savoir est-ce que c'est au consommateur de payer ces surcoûts-là. Et nous pourrons, je pense, en discuter. Je vous remercie. Muchas gracias. C'est lequel mon verre? Je crois que c'est...